Yo yo, c'est Banana et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc c'est à propos du secret de l'exo-zombie. Donc ce sera un tutoriel du secret de la map Infection, du nouveau DLC Ascendance qui est sorti le 31 mars sur Xbox. Donc ça sera un petit tuto sur comment le faire. Donc je précise à remercier. Donc je remercie Kenshin et ProX Legend ainsi que Flapix et la solution Jackie qui m'ont, enfin la solution Jackie, j'ai pas beaucoup parlé avec lui mais du peu, enfin il nous a aidé. Voilà, je les remercie qui nous ont aidé un peu et j'ai regardé aussi, moi je l'avoue, pour moi j'ai regardé NGT qui ont sorti la toute dernière étape où on était planté, les deux trois dernières j'ai galéré. Donc voilà, je me suis juste aidé pour ça. Donc c'est parti pour le tuto. Attendez, je vais lancer parce que voilà. Donc la première étape c'est d'activer les 4 vannes. Donc je vais juste le dire, j'ai fait ça en 20 étapes pour vous, pour que ce soit plus simple pour vous. Condensé ça en 20 étapes. Donc la première c'est d'activer les 4 vannes. Elles sont dans les égouts. Ça peut être aussi dans l'égout. Là j'ai pas eu dans la vidéo, mais c'était exactement aussi dans le. On peut aussi en avoir dans l'égout en direction du Burger Town. Il y en a aussi quelques-unes. Faites gaffe, il y en a 3 au plafond. Il peut y en avoir 3 au plafond, pardon. Enfin bref, il y en a 4 et ça ouvrira la porte derrière la cascade. Ensuite, il faut en étape 2 chercher la casserole dorée qui est au spawn. Il faut l'exo, il faut votre exo pour sauter. Alors vous sautez sur cette poutre et vous cliquez sur X en l'air et vous aurez la casserole dorée. Ensuite, la troisième étape, il faut la poser sur l'hôtel qui s'est ouvert derrière la cascade. Donc pas l'hôtel, voilà, l'hôtel où vous dormez, l'hôtel un peu de prière, enfin le temple, enfin comme vous voulez. Vous la placez et la casserole donc redescendra et là vous serez donc dans une salle ronde. Vous savez pas trop quoi faire. Donc pour qu'est-ce qu'il faut faire, il faut tuer des zombies dans le rond central. Donc ça c'est l'étape 4. Il faut en tuer quand même un sacré paquet en solo. Ça m'a fait quoi, 2-3 manches à 4, c'est assez compliqué aussi, c'est un peu le bordel. Enfin en solo c'est plus simple, il faut 2-3 manches et vous tuez des zombies là-dedans et le sang va monter en dessous de vous là sous la grille. Et quand il va déborder, l'hôtel va se lever et vous pourrez reprendre la casserole. Voilà, donc comme j'ai dit, l'étape 5, récupérer la casserole et l'amener sur la plaque du Burger Town. Donc cette casserole, vous la reprenez. Et là, ben, vous courez au Burger Town et vous la poserez donc sur les plaques. Ouais, comment expliquer ça? Ouais, c'est des plaques. Donc les plaques à induction, j'en sais rien. Enfin, moi, je sais pas qui signe. Donc sur les plaques, et là, vous saurez pas quoi faire. Donc c'est logique. Donc vous avez ça. Maintenant, il faut trouver les 4 morceaux de viande. Il y en a un dans chaque zone et les ramener un à un sur la poêle. Donc effectivement, ça ressemble à ça, juste. Voilà, des petits steaks. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Il y en a 4 dans la map, un dans chaque zone. Et donc comme j'ai dit, vous pouvez pas les en prendre plusieurs sur vous, donc à la fois. Donc il faut en prendre un, la ramener et ainsi de suite. Donc il y en a un dans le Burger Town, il y en a un dans la station service. Le suivant, enfin c'est égal, il spawn les 4 en même temps. Il y en a un autre dans les égouts. Et le dernier, il est dans la salle du commandement d'Atlas. Là, faut bien chercher parce que souvent ils sont bien planqués. Je sortirai peut-être une vidéo sur tous les emplacements parce que j'en connais quoi, 5-6 par zone. Parce que oui, j'ai recommencé plein de fois ce secret. Donc voilà, faut les récupérer les 4 et les ramener sur la poêle au Burger Town. Voilà, vous arriverez avec le dernier steak que vous poserez donc sur le tas de steak, en fait sur la poêle. Ça fera un steak, on dirait un steak haché, je sais pas ce que c'est. Et là, à ce moment, il faut avoir le magnétron dans l'imprimante 3D, donc c'est l'étape 7. Donc soit vous avez de la chance et votre copine vous trompe, soit donc vous êtes coqué, comme moi là je le suis, donc du deuxième essai je l'aurai, ou soit vous galérez, votre copine est fidèle, et puis voilà, vous l'aurez au bout de 50 essais, comme ça m'est déjà arrivé. Mais là je l'ai eu du deuxième essai, donc plutôt tranquille. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner au Burger Town avec votre magnétron et cuire le steak, donc ça c'est l'étape 8. Donc vous tirez sur votre steak, vous tirez, et vous entendez un bruit de micro-ondes. Voilà, ça veut dire que le steak est cuit, que vous pouvez passer à l'étape 9. Donc l'étape 9, il faut tuer un employé du Burger Town et récupérer un pain. Donc vous verrez, il flottera, il n'y a pas besoin d'appuyer sur X, c'est juste à passer dessus.
Donc moi ce que je fais, j'ai fait un gros tas, j'ai tout tiré dedans et je suis repassé aux endroits où j'ai tué. Et vous le verrez qu'il flottera, donc ça c'est vraiment pas très compliqué, il faut juste faire attention. Donc il est juste après là dans la descente. Et voilà, là il est peut-être en train de disparaître, je sais pas s'il peut disparaître. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai récupéré. Donc maintenant il faut que vous retourniez au Burger Town pour faire votre hamburger quoi. Et ouais, comme des petits apprentis cuisiniers, faire votre hamburger. Donc vous y retournez, voilà, j'ai fait super speed. Voilà, vous faites votre burger, vous le prenez et vous allez direct vous désinfecter. Donc je vous conseille de passer par la trappe qui est derrière, qui vous amènera juste dans les égouts. Ce sera beaucoup plus rapide et vous pouvez direct vous désinfecter ou décontaminer, peu importe pour vous ce que ça veut dire. Mais voilà, vous décontaminez ou désinfectez et voilà, c'est bon, vous avez votre hamburger. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet hamburger? Et ben, dans l'étape 11, il faut donner le burger à Bobby. Donc c'est un peu compliqué des fois, faut essayer de bien se poser en appuyant sur X et vous donner votre burger. Voilà, comme il a dit c'était exquis, mais sa batterie est faible. Donc maintenant vous allez le deviner, il faut trouver une batterie. Donc cette batterie, c'était l'étape où tout le monde a planté, on savait plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Et donc au final la batterie se trouve dans la salle du commandement d'Atlas. Donc vous allez cliquer quelques fois sur X sur cet écran. Vous entendrez un bruit et vous courez le plus rapidement possible à cet endroit-ci où la batterie sera dans un coin et vous appuyez sur X avant que ça se referme. Ok, donc ça c'est bien joli, vous avez votre batterie, mais elle n'est pas chargée. Donc l'étape 13, il faut la charger en allant à la station service dans cette colonne précise et il faut la poser en appuyant sur X. Là, ce que je vous conseille, c'est de garder 2-3 zombies en fin de manche comme moi et vous sautez par-dessus, enfin vous attendez. Ça prend une minute exactement à la charger complètement, donc c'est pas bien compliqué, c'est pas bien long, voilà. Faites attention, les zombies peuvent l'enlever, vous pouvez la remettre en appuyant sur X, c'est pas compliqué, mais faites juste attention, comme là on voit, il est en train de s'attaquer. Mais j'ai eu le temps de charger la batterie, donc maintenant vous prenez votre batterie et vous recourez au Burger Town. Comme vous l'avez certainement deviné, dans l'étape 14, il faut la récupérer et la donner à Bobby. Voilà, ensuite, étape 15, il faut récupérer cette clé, puis grimper dans le burger géant que tout le monde a essayé de grimper depuis la sortie de la map. Tout le temps, on essaie à chaque étape de grimper là-dedans. Voilà, nous vous y voici. Donc, étape 16, activez l'écran du milieu où il y avait des petits Bobby, là, où le plan de Bobby, ben, vous l'activez. Et ben, vous ressortez après, tranquille, enfin, voilà, ça vous sortira automatiquement. Donc voilà, vous êtes dehors. Étape 17 maintenant, ça c'est un peu compliqué aussi, il faut tirer sur le crocodile pendant qu'il attrape un zombie et prendre la main de zombie qui flottera. Donc regardez, c'était un peu le bordel, j'étais un peu le héros là, ce qui s'est passé, regardez. J'ai fait n'importe quoi, je me suis fait UM, je suis mort partout, j'ai pris la main, je brûlais X et j'ai pris, ça a marché. Vous allez voir, voilà, j'ai la main de zombie en bas à gauche, je vais vous mettre un petit ralenti pour voir ce qui s'est passé. Voilà, là, le crocodile est grimpé, j'ai tiré dessus, le crocodile a explosé et la main flottera normalement. Là c'était un peu trop le bordel, je l'ai pas vu, mais vous appuyez sur X et vous pourrez la récupérer avant qu'elle coule. Nous y voici à l'étape 18 où il faut activer le lecteur d'empreintes et récupérer une carte rouge. Donc il faut aller au spawn là en haut des escaliers en dessus de la MK14. Appuyer sur X devant ce lecteur et récupérer la carte dans le boîtier à gauche. Donc avec cette carte, il faut la déposer. Donc c'est l'étape 19, la déposer sur l'écran du milieu dans le burger géant. Donc vous regrimpez dans le burger et vous appuyez sur X encore une fois devant cet écran. Là il vous dira accès, ok, et vous attendez, vous ressortez. Et à ce moment-là, il va commencer à se passer un truc drôle. J'ai bien kiffé. Il y a des hamburgers qui vont s'envoler du burger là, du burger géant, pas un petit burger bombe. Vous pouvez les prendre. Faites gaffe parce que regardez, ça vous met bien rouge, donc c'est pas le bon exemple là. Mais ils peuvent exploser au bout d'un moment. Alors faites gaffe. Regardez, je vais devenir tout rouge parce qu'il y a un hamburger qui va m'exploser à la tronche. Quoi qu'il en soit, voilà, faites attention. Vous pouvez vous amuser avec, ça tue les zombies, etc. Donc voilà, il y aura un compte à rebours, moi je le vois pas parce que je sais pas, ça a bugué, déjà j'avais pas le bruit des exos pendant toute la partie. Donc voilà, il y aura un compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et la fusée va décoller de votre burger géant. Là vous allez voir, voilà, elle m'a explosé, je suis devenu tout rouge, j'ai failli mourir à cause de ça, c'est un peu bête. Mais voilà, votre fusée décolle, ça c'est bien joli tout ça. Mais vous avez pas encore votre succès, vous vous dites, mais purée, ça se finit jamais ce succès. Hein. Eh ben non, on est à l'étape 19, c'est bien normal. We'll be right back.
Donc voilà, on arrive à l'étape finale, l'étape 20. Il faut récupérer la carte du gros burger que vous avez posé, qui sera devenue verte et non rouge, et la donner à votre ami Bobby, qui va faire... je vais vous laisser la surprise. Donc il y a deux fins possibles, je le redis. Je les ai faites les deux pour vous montrer. Donc la première qui était franchement un peu bidon, j'étais déçu. C'était la, c'était la deuxième fois que j'ai fait le secret, donc j'aurais pas le succès à ce moment-là, vous le verrez après. Mais light zone, elle est assez bizarre, il faut viser le panneau. Regardez, le panneau là ça marche pas, j'arrivais pas à la mettre. Donc il faut viser le petit panneau qui est devant Bubby. Ben il va exploser, voilà, ça c'est la fin bidon. Il va exploser, c'est complètement aléatoire quelle fin vous aurez. Il va exploser, vous aurez 4 bonus. Bon, c'est un peu bidon, mais vous aurez votre succès à ce moment-là. Donc je le montre après, c'était une partie que j'ai fait en live, donc je suis désolé si c'était écrit diffusion en cours, blablabla. 120 spectateurs, enfin bref, toute une histoire. Donc voilà l'autre fin, que c'était la première fois qu'on l'a fait. On a pris la carte, on avait la carte, on allait la donner à Bubby et il va commencer à se passer un truc assez drôle. Je vais vous laisser faire ça. Voilà, j'aurai le succès 50G, tué pour mourir. Et Bubby va commencer à se balader et à tuer les zombies, un peu à la Romero sur Call of the Dead, sur BO1. Mais voilà, il va se déplacer comme ça, tranquille. Et je vais tout vous laisser, à un moment il va se mettre à danser et il va exploser, donc je vais tout vous laisser cette petite partie, à vous de quitter si vous voulez, ben, pas vous faire spoil, si ben, voilà, vous en foutez, vous voulez voir la fin, donc voilà, ce tuto était maintenant terminé, donc j'espère que ça vous a plu, moi perso j'ai pris beaucoup de temps à le faire, j'ai beaucoup fait de choses solo à la fin, parce qu'au final, on m'a un peu abandonné, ils ont fait leur truc de leur côté, après bon, voilà, j'étais un peu dégoûté aussi. Donc j'ai cherché de mon côté et je m'en suis sorti avec un petit peu de retard comparé aux autres. Mais je m'en suis sorti et je suis content que j'ai pas trouvé énormément de choses sur internet, j'ai fait la majorité par moi-même. Donc voilà, quoi qu'il en soit... Quoi qu'il en soit, j'ai eu un petit bug. Je vais vous refaire des vidéos sur Stexo Zombie, ben, sur le prochain DLC je vais essayer d'être plus rapide pour faire le secret. Je vais peut-être le refaire en live, comme j'ai vu que ça a bien marché. Là, je suis arrivé à 125 spectateurs. Je dis, déjà, merci beaucoup à tous. Donc, j'ai une chaîne Twitch, c'est Super Banane si jamais ça vous intéresse. C'est pareil que bah, mon ancienne chaîne YouTube en soi. Donc, voilà, là, voilà, le petit Bubby il bug. Enfin, il est aussi attiré par les singes d'ailleurs. Mais vous allez voir, il va nous faire une petite danse après. Enfin bon, voilà. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. Là, je commence à dire n'importe quoi. Donc sur ça, je vous laisse. Je vous laisse faire plein de poutous partout. Et puis merci à tous de m'avoir aidé pendant le live pour le secret. C'était bien sympa. Merci à Richtofen, son ami Stiti. Et puis je sais plus avec qui j'étais. Je crois que j'étais avec Alex pendant le secret, la première fois qu'on l'a eu. Donc merci à vous. Et puis voilà, big up. Bye. Peace. Bonne affaire.